Alors, Bézat Hashem, le soir de ce matin, l'un nishmat machlouf Eliyahu ben Frecha, Mordechai Shamir ben Yehudit. Dit Rabbi Shimon patach ve'amar, birtzot Adonai darchi ish, gam oivav yashlim ito. Quand Hashem aime quelqu'un, même son, l'ennemi de cette personne devient son ami. Il a un ennemi, l'ami devient son ennemi. Comme ça dit le roi Salomon. Birtzot Hashem darchi ish, quand quelqu'un voit dans le bon chemin, il fait la Torah, il fait ses prières et tout ça, ses ennemis deviennent ses amis. Okay? Alors il dit ici, Tahaze, viens voir, Kama itle le barnage litkana shivloi, combien c'est bien pour une personne de se dresser et aller dans le bon chemin, begin malachin shelichan itle le barnage, mile elal isdavagabade. Car du ciel, chaque matin, ils envoient deux anges pour accompagner chaque personne. Chaque personne est accompagnée par deux anges chaque matin. Et il dit ici, un à droite et un à gauche. Celui du droit dit le Rabbi Shimon bar Yochai, comment il s'appelle? Il s'appelle Yetzer Tov. Et celui du gauche, comment il s'appelle? Ve'yetzera, Yetzera. Le bon penchant à droite, le mauvais penchant à gauche. Ken? Des fois, qu'est-ce qu'il fait le Yetzera? Il veut jouer le tour. Il va à ta droite pour se déguiser comme Yetzera Tov. Ok? Alors le Gaon Mevilna disait, il y a un pasouk à ça. Le Yoshua à Kohen Agadol, c'est une haftara. Yoshua à Kohen Agadol, qu'est-ce qu'il voit? Va Satan omed al yemino le sitno. Il a vu le Satan à sa droite. Normalement, le Satan se trouve à gauche de la personne. Mais là, il a vu le Satan à droite. Pourquoi? Dit le Gaon Mevilna, tu sais pourquoi? Parce que le Yetzara, des fois, il se déguise. Comment tu peux le savoir? Il t'emmène à faire une mitzvah. Mais il te plante un péché sous la mitzvah. Il va là-bas, va aider au gars, il a besoin de l'aide. Entre-temps, tu as perdu un cours de Torah. Tu comprends? Il dit, va, c'est mes gimlut chassadim, tu vas aider le gars, le pauvre, il n'a pas un. Et toi, tu avais un cours de Torah, tu as raté un cours de Torah à cause de ça. Alors, il t'a eu. Il s'est déguisé à Yetzeratov, soi-disant pour faire Hesed. Mais il t'a enlevé la possibilité d'aller étudier la Torah. Et n'importe quoi, c'est comme ça. Il t'envoie dans un endroit, okay? Et écoute, va dans ce mariage. Mais ce mariage, c'est mixte. Ce mariage, les femmes ne sont pas bien habillées, tout ça. Non, mais tu écoutes, c'est ton cousin, et après il y aura de la dispute dans la famille, tout ça. Tu vas là-bas, des choses. Zdom va amora, has ve shalom. Okay? C'est Yetzara qui t'a planté ça. C'est Yetzara qui a planté ça. C'est comme ça. Alors, il faut faire attention. Il faut garder toujours le Tzara Tov à droite. Le Tzara, tu le gardes à gauche. Et il dit ici, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit ici que le moment où tu donnes la force au Tzara Tov, tu fais de bonnes choses, tu lui donnes la force, automatiquement, le Tzara, il t'oublie de soumettre, il se soumet devant le Tzara Tov. Il ne peut rien faire. Alors, il devient son ami. Il devient ton ami. C'est ça qu'il voulait dire, Shlomo. Bertzot Hashem d'Archeish, quand tu vas dans le bon chemin, Gamo Ivav, ton ennemi, qui c'est ton ennemi? Le Yetzerara, Yashlimimo, il est d'accord avec ça, il devient ton ami et il te suit, il te fait plus pécher. Mais si, Chad Shalom, tu vas dans l'autre côté, de l'autre sens, tu es en train de soumettre le Yetzeratov sous le Yetzerara. Et là, c'est l'autre qui domine. C'est le Yetzerara qui domine. Alors, dit Rabbi Shimon bar Yochai, combien il est important qu'une personne va dans le bon chemin. Il dit ici, Tachazé, viens voir, Yaakov, Aftach, Be, Bekutcha, Berichu, Vekol, Orchoy, Avon, Lishme, Valda, Oiva, Vishlimo, Dasam, Mechmeim. Rabbi Shimon bar Yochai nous emmène l'exemple de la Torah. Yaakov, qu'est-ce qu'il faisait? Étude de la Torah, étudier. Il étudiait, il était tzaddik, Ishtam, Yoshev Oalim, il s'assoyait devant la Torah, il étudiait. Okay? Il y avait le Samechmem, qui est le Satan, qui le cherchait. Il le cherchait, mais il ne trouvait pas. Okay? Mais quand Yaakov, dans la paracha de Toldot, il rentre pour voir les bénédictions de son père, le Esav, il est dominé par le Satan, le Sarah, le Samechmem. Okay? Le Sarah n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'idée à Esav de tuer son frère. Le Tzara n'a pas accepté. Alors il a donné idée à Esav de tuer Yaakov. Yaakov se sauve. Yaakov se sauve de la maison. Où est-ce qu'il va? Il va étudier. 14 ans, la Yeshiva de Shemver. Après, il va se marier. Après, il retourne. Tout ça, cette histoire, 22 ans. Ou selon Rashi,
36 ans. 36 ans. Après qu'on retourne, le Satan l'attend. Tu crois qu'il a lâché? Il a attendu jusqu'à qu'il revient. Il revient. Qu'est-ce qu'on lit dans la Torah, Parashat Vaishlach? Le soir, Vaïe avec Ishimo. Voilà, le malach l'a attendu. Il l'a attrapé seul et il s'est battu avec lui. Yaakov était fort physiquement et spirituellement. Il a pu le battre. Il l'a attrapé, l'ange, il l'a attrapé. Il dit, lâche-moi. Il dit, je te lâche pas. Toi, tu es venu m'attaquer. C'est pas moi qui t'ai attaqué. Toi, alors maintenant, tu veux que je te lâche? Donne-moi une bénédiction. Dis-moi que tu vas plus m'attaquer. Tu es d'accord pour le brachot. Ok, il dit, comment tu t'appelles? Il dit, mais Yaakov. Il dit, Yaakov, ok. Lo Yaakov, tu vas plus t'appeler Yaakov. Tu vas t'appeler Israël. Yaakov, c'est Ekev. C'est le talent. C'est la fin du corps. Maintenant, tu vas t'appeler Israël. Si vous regardez le mot Israël, Yesh Rosh. Yesh Rosh, tu seras à la tête. Et ça y est, je ne conteste plus sur le Berachot. Qu'est-ce que tu vas dire à Bishon Bar Yochai? Yaakov, il a étudié la Torah, il a fait les bonnes choses, il était chez son beau-père, il était loyal à son beau-père et tout ça. Le Satan n'avait pas le choix que de devenir son ami et lui donner même une Beracha. Baruch Adonai le Olam. Amen ve Amen.